Alors, voyons voir. Oh non, mon fond, mais il est où? Mais c'est pas possible, ça! Ketchup, mayo, la sauce samouraï! Mais on peut pas faire un barbecue sans sauce samouraï, les amigos! Il faut que je prévienne les autres! Oh, j'adore ce jeu de Oxo sur tartine! Vas-y, Lily, à toi! Si je réussis mon coup, je gagne! Oui, mais si tu rates, tu perds! Tu verras bien! Oh, ok. Concentre-toi! Oh, juste à côté! Raté! En tout cas, ce jeu, il est trop bien! Ouais, à moi! Bon, allez, dernière chance, Rocky! Soupe, Kira! Oh non! Juste à côté! Bon, on a peut-être perdu tous les deux, mais moi, j'ai gagné un goûter de 9 tartines! Oh, Rocky! Vite! On doit se dépêcher! C'est dans la boîte, va bientôt commencer! Le colis va arriver! Vite, grouille-toi! Ouais, d'accord, j'arrive! Je mange vite les tartines, ok? Non, Rocky, on n'a pas le temps! Grouille-toi! Oh, Loli, on a raté le colis du jour! Non, vous êtes là, juste à temps. J'ai cru qu'on était en retard! Salut les amigos! C'est l'heure du colis mystère! Lily, tu trouves pas que la fumée, elle sent... Quoi? Bah, elle sent différent, genre, ça me donne faim, quoi. C'est vrai, mais... J'arrive pas à savoir ce que c'est. Attends, je vais lire l'énigme, ça va nous aider. Attention aux taches. What? Mon enfant, mais c'est quoi cette énigme trop bizarre? Tu crois que ça parle des taches sur les vêtements? Des taches de nourriture? Mais oui, peut-être. Et du coup, ce serait quoi le colis du jour? Un tablier pour pas se tacher quand on cuisine? Ah oui, c'est une bonne idée. Ou alors, c'est quelque chose qui tâche à fond, du genre de la sauce tomate. Ah oui, c'est impossible de manger des pâtes bolo sans se tâcher, vous trouvez pas les amigos? Oh oui, mais tiens, et si c'était de la lessive pour enlever les taches justement? Ouais. Et vous les amigos, vous pensez qu'on a reçu quoi aujourd'hui? Un tablier anti-tache, un pot de sauce tomate qui fait des méga-tâches, ou carrément de la lessive pour nettoyer tout ça? On va savoir tout de suite. Est-ce que t'es prêt, Rocky? Ouais. 3, 2, 1, on l'ouvre! Tu prends le colis? Oh, j'ai tellement hâte de savoir ce qu'on a reçu! Et moi, j'ai trop hâte de savoir qui sera notre amigo du jour! Oui, et on le découvrira à la fin de l'épisode, donc restez bien avec nous! Imagine aujourd'hui, c'est toi! Ce serait trop dingue! Waouh, t'avais raison, Rocky! Ce sont des tabliers! Waouh! Ça, c'est pour pas tâcher les vêtements quand on cuisine! Mais ils sont super beaux! Oh, Olivier, on les met! Oh, mais oui, grave! Yes! Vas-y, donne! Tiens, je vais l'enfiler. D'accord. Hop. Alors, beau gosse, non? À fond. Mais du coup, c'est quoi le thème du jour? Ouais, je sais, c'est le barbecue. Mais oui, la fumée tout à l'heure, c'est ça qu'elle sentait. Mais ouais. Bravo, tu as deviné le thème du jour. Aujourd'hui, on va parler de barbecue. Oh, j'adore les barbecues, parce que ça me rappelle trop l'été. Mais oui, quand il fait trop beau, on a trop envie d'être dehors, même pour cuisiner. Et on peut inviter toute sa famille ou même ses amis. C'est comme une fête, quoi. Et en plus, ce qu'on mange est trop, trop bon. Merguez, burger, brochette, le goût grillé. Oh, miam. Et j'ai même vu qu'il y a des fromages qu'on peut cuire au barbecue, t'imagines? Ouais, et tout plein d'options de recettes pour les végétariens ou les véganes. Comme ça, tout le monde peut venir s'éclater. Connaissez-vous l'origine du mot barbecue? Non, c'est un mot américain, je crois. Dans la forêt amazonienne, des Indiens faisaient cuire leur viande sur une grille faite de bois. Ils appelaient ça barbacoa. Un barbacoa? Oh, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin du barbecue d'aujourd'hui, quoi. En fait, le barbecue, c'est faire cuire quelque chose sur une grille au-dessus d'un feu. Trop giga swag que ça vienne d'Amazonie, quand même. Claire, mais Loli, il y a plein d'autres barbecues dans le monde. Genre le barbecue coréen. Oh, Loli, est-ce qu'on peut faire un tour du monde des spécialités de barbecue? Bonne idée. Commençons par la Corée. Le barbecue coréen se fait à l'intérieur. On fait cuire les aliments directement sur un petit grill au milieu de la table et tous les ingrédients sont coupés en petits morceaux. Oh, comme ça, quand c'est cuit, on les met direct dans la bouche. Oh. Autre spécialité, connaissez-vous les yakitori? Mais oui, bien sûr, ce sont des petites brochettes japonaises. C'est trop, trop bon, surtout avec la sauce autour. Les Australiens aussi adorent le barbecue. Oui, et eux, ils appellent ça un barbie. Un barbie? Ouais. Lol. Dans un barbie australien, on peut manger de la viande de crocodile. What?
Mais trop le délire, quoi. Et sinon, vous connaissez le churrasco brésilien? C'est de la viande grillée servie avec de l'ananas. Oh, c'est trop bon. L'ananas, c'est vraiment un fruit qui va avec plein de plats. Moi, j'avoue, j'aime bien les pizzas hawaïennes. Hein? C'était toi, Rocky? Mais oui, avec tout ça, j'ai super faim. Moi aussi, ça m'a donné giga faim. Il n'y a qu'une seule solution, Lily. Je vais faire un barbecue. Trop bien. Prévenir les collègues. Hop. Allô, la RTBF, vous êtes chaud pour un barbecue? Je prépare tout et je viens vous livrer. Youhou! Alors, mon matos sauce... Le plus important quand on fait un barbecue, c'est le lieu. Regardez ça, c'est nickel, non? J'adore. Et en plus, le barbecue est déjà là. Tadam! Bon, par contre, on est en Belgique et on va pas se mentir, parfois en Belgique, il pleut. Du coup, j'ai prévu un petit parasol. Je le mets là. Il n'y a plus qu'à sortir les ingrédients. Je fais encore mieux qu'une barbecue partie. Je fais une brochette partie. Regardez ça, il y a tout ce qu'il faut. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Vous prenez un petit pic à brochette et puis vous mettez tout ce que vous voulez dessus. Il y a des poivrons, une petite banane, de la barbe à papa. Bien sûr, il y a des falafels pour les végétariens, des saucisses véganes pour les véganes. Oh, et puis, il y a le comptoir de sauce. Bon, bah tout est prêt. Il n'y a plus qu'à prévenir tout le monde. Avis à tous, barbecue parti, venez. Ouh, barbecue parti, venez tous. Barbecue parti. Regardez ce que j'ai fait, les amigos. Nuggets, chamallow, poivron et bonbons banane. Petit mélange sucré-salé, ça va être trop miam. Il manque juste encore un ingrédient. Vous le connaissez, c'est la base. Alors, voyons voir. Oh non, mais enfin, mais elle est où? Mais c'est pas possible, ça. Ketchup, mayo, la sauce samouraï. Mais on peut pas faire un barbecue sans sauce samouraï, les amigos. Il faut que je prévienne les autres. Oh, en fait, il y a plus de sauce samouraï. Barbecue annulé. Oh, mais je suis désolée, mais un barbecue sans samouraï, c'est pas possible. Alerte rouge, barbecue annulé, plus de sauce samouraï. Oh, j'ai trop le seum, j'ai faim et en plus, maintenant, je dois tout ranger. C'est la loose. Quoi, tout ça? Il y a plein de sauce samouraï. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tes collègues, oh waouh, mais c'est trop mime, je les adore, mes collègues. Oh, mais je suis trop émue, c'est super mime. J'adore tellement mes collègues. Le barbecue est reparti, banzai. Alors, celle-là, c'est pour Sylvie, celle-là, c'est pour Baptiste, et puis là, c'est pour Lily et moi. Oh, ça sent trop, trop bon. Bon, ça a l'air prêt en plus. Lily, j'arrive. Et livraison express pour Lily! Oh my god, merci Rocky! En plus, j'avais trop faim! Et ça a l'air trop trop bon! Mais attends, c'est pas fini! Oh yes! Mais la prochaine fois, je prendrai plus de légumes! Des légumes? Eh bah ouais, il y a plein de super recettes pour manger des légumes au barbecue! Mais les légumes, c'est vraiment beurre quoi! Et c'est pas le barbecue qui va les transformer! T'en fais pas, Rocky! Je te parle pas forcément des brocolis, mais des épis de maïs ou des aubergines par exemple! Tu peux les enrobé de sauce soja mélangée à de la moutarde. Ah ouais, j'y avais pas pensé. On peut carrément se lancer et inventer des recettes, surtout avec toutes les sauces de fou qu'on a en Belgique. Grave. Ou alors, on peut carrément faire des fruits au barbecue. Attends, what? Des pêches ou des nectarines. Le sucre dans les fruits prend un goût de caramel quand il touche la grille au barbecue. Oh, mais ça a l'air trop bon. Je vais tester direct. Ouais, mais attends, on doit d'abord finir l'épisode. Ah ouais. Alors les amigos, vous aussi vous kiffez les barbecues autant que moi? C'est quoi vos meilleurs recette, je suis giga chaud pour essayer une tonne de nouveaux trucs. Balancez ça sur notre WhatsApp et vous serez peut-être notre amigo du jour, comme Alexis. Top, trop la classe ta pizza géante, Alexis. Mais, tellement, j'adore qu'on soit des ingrédients de pizza, c'est génial. Mais grave. Merci Alexis. Oh, parfait, on va pouvoir s'échauffer avant de manger. Les amigos, vous êtes prêts? Parce que c'est l'heure de... La Corée de Rocky et Lily. Regarde ça,
Lily. Ouah, giga bonne idée, les marshmallows grillés, Rocky. Ouais, je sais, mais le plus cool, c'est ma nouvelle invention. Vas-y, ouais. Tiens dessus. D'accord. Oh, wow. Brochette géante. Yes. Mais comment on va faire griller tout ça, Rocky? Bah, dans un barbecue géant, enfin. Et... Lily, cette question, c'est évident.